Donc, je suis Wana Ladré, je suis partie du board de direction de Nomadic Labs et je gère notamment la partie légale, fiscale et people, et tout ce qui tient au recrutement et politique d'entreprise autour de créer un bon environnement d'entreprise. Donc, Nomadic Labs est une société qui se revendique comme étant un expert de la blockchain Tezos. Donc effectivement, nous sommes en existence depuis 2018. On était une petite équipe de 10 personnes. Au début, l'équipe se concentrait sur le développement du cœur de la blockchain Tezos. Donc on n'avait pas d'autres départements. Aujourd'hui, on a grandi. On est 70. On a aussi diversifié nos activités parce que en plus des 50 ingénieurs qui se concentrent sur la partie research and development et évidemment maintenance et amendement de la blockchain Tezos, nous avons aujourd'hui aussi des équipes d'adoption et de support qui participent activement à créer la communauté blockchain française et aussi à soutenir tous les acteurs qui s'embarquent dans l'aventure de faire la blockchain et la blockchain Tezos évidemment partie de leur quotidien. Donc voilà, comme je disais, on a beaucoup grandi. Nous sommes une équipe très diverse. On a à cœur d'assurer d'être ouvert et d'être. On est très intéressé d'avoir les talents. Donc c'est le seul critère pour rejoindre notre équipe. Évidemment, on a une présence qui est de plus en plus importante parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est en croissance. Et dans ce chiffre d'affaires, c'est notamment les frais de personnel. On voit bien que en 2018, on était à un chiffre d'affaires de 5 millions parce qu'on était, je pense, une petite vingtaine. Et maintenant, on a grandi et on continue à grandir dans cette lignée. Donc voilà, je viens de vous présenter nos différents champs d'activité avec évidemment le département administratif qui est, enfin, au début, il était composé de moi. Aujourd'hui, il est composé de 5 personnes et on va recruter pour. Durant 2022 pour renforcer les efforts et pour assurer un service impeccable à nos autres équipes, l'équipe communication, les équipes adoption de support et les équipes research et développement. Nous avons beaucoup de postes ouverts. Donc, ça s'inscrit dans cette ligne du dynamisme du marché de la blockchain et de notre ambition de rester très, très responsif à tout ce qui est à tout ce qui est de besoin. On veut s'adapter, Nomadic veut s'adapter au marché, on veut être présent, on veut que notre technologie soit adoptée et soit connue. Donc, on est toujours en quête de talent. Sur beaucoup de domaines très différents parce que voilà, aujourd'hui, vous voyez, on a des besoins en matière d'adoption, on a des besoins en matière administrative, comme je viens de le dire, et on est toujours en quête de talent technique. D'ailleurs, Nomadic est une bonne illustration de ce que disait, de ce que disait Yacine tout à l'heure, c'est le fait qu'on a dans notre équipe de 50 ingénieurs, on a plus de 30 qui sont docteurs en informatique. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ce sont des profils qui sont très recherchés dans ces domaines parce qu'il y a beaucoup de complexité quand on construit une blockchain. Et donc, c'est un bel endroit pour déployer des talents et des compétences qui, des fois, sont très de niche. Voilà pourquoi rejoindre Nomadic. Qu'est-ce que ça vous apporterait? C'est travailler avec des experts reconnus au niveau mondial. Comme je disais, on a beaucoup d'experts qui se spécialisent dans des domaines très particuliers. Et donc, c'est notre valeur ajoutée d'avoir ce talent qui est des fois irremplaçable. Travailler dans un écosystème qui est global et construire un projet qui va changer le monde, parce qu'effectivement, quand on parle de la blockchain, on parle d'une révolution à beaucoup de niveaux, social, financier. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant d'être au sein d'une équipe où on a cette conscience du fait qu'on travaille sur un projet
qui, de notre vivant en plus, on pourra voir les effets sur le changement mondial. Travaille dans une équipe sympathique et dans des bureaux confortables parce qu'on n'oublie pas ça. C'est quelque chose qui tient beaucoup au cœur, surtout de l'équipe administrative, mais on participe tous. De créer un environnement de travail qui est accueillant, où on se sent bien, où on s'amuse. Effectivement, nous avons toujours été sensibles aux préférences des gens entre le télétravail et le travail dans les bureaux. L'expérience de Nomadic montre qu'avoir les deux, avoir ce système hybride, c'est pour le moment le point gagnant. Donc, on va continuer dans cette lignée et donc on s'intéresse beaucoup au confort de nos employés et contractants parce que c'est important de faire du bon travail dans des bonnes conditions. Et travailler dans un milieu stimulant où on apprend en permanence. Je pense que ça, je ne vous dis pas de nouveauté que dans la blockchain, on sait quand on commence la journée. Moi, souvent, ça m'arrive que j'arrive à rien effacer de ma to-do list que j'avais soigneusement préparée le matin parce que il y a tout le temps des choses qui se passent et il y a beaucoup de nouveautés. Il faut rester ouvert et il faut s'adapter. C'est vrai qu'on privilégie les gens qui sont multitâches dans ce genre de milieu. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est en fin de journée, c'est toujours extrêmement satisfaisant parce qu'on apprend tellement de choses et ça nous change la vision sur le travail. On sent vraiment la satisfaction d'avoir participé à quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà, les valeurs de Nomadic. Évidemment, on est très tourné vers l'excellence technique. C'est une valeur qu'on porte au niveau de toutes les équipes. C'est une valeur qui a été initiée évidemment par l'équipe tech qui a initié l'équipe de Nomadic Labs. Et c'est une valeur qui se transmet à travers toutes nos activités parce que je pense qu'on se permet de construire quelque chose de nouveau et de beau avec les meilleurs moyens qui existent. La communauté, évidemment, on travaille dans des projets qui existent de par leur communauté. On est très conscient de ça. On est dans une démarche perpétuelle de convaincre les gens de l'utilité de notre travail et aussi de les éduquer dans la blockchain. Et ça, vous allez en savoir plus avec la présentation de Mathias. Et l'engagement vis-à-vis de nos missions, notre mission principale, c'est le développement et la promotion de la blockchain Tezos. Nomadic est un acteur qui est très dédié, qui est très loyal à cette mission. On est très passionné hein, au niveau idéatique du projet que nous réalisons. Et voilà où vous allez pouvoir postuler pour ces 30 plus postes ouverts. On a un très beau site, merci Maud, qui a un bouton Careers, donc n'hésitez pas. Et aussi, vous nous trouvez sur LinkedIn et aussi par email, careers@nomadic.com ou même sur ma page LinkedIn si vous voulez envoyer un message direct. On est responsive. On est toujours. On cherche toujours du talent.